Alors, vous savez qu'ici, dans cette église, nous sommes pour les couples sacerdotaux. Puisque nous avons cet usage antique et légitime d'ordonner des prêtres qui sont mariés, des hommes mariés, eh bien, nous associons forcément leurs épouses, puisqu'ils sont deux en une seule chair. Où ils sont un en deux corps. Enfin, donc, j'ai aucune expérience de la chose. Mais en tout cas, je ne veux pas séparer ce que Dieu a uni, même pas dans le sacerdoce, et donc toutes les épouses des prêtres. D'ailleurs, un jour, je vais instituer une fête des épouses de prêtres, avec une patronne. Je ne sais pas qui ça sera. Il y avait une très célèbre épouse d'un évêque de Bordeaux. Elle s'appelait... Elle s'appelait Paulin. Mais... Non, c'était pas celui-là. C'était... Je crois qu'elle s'appelait Placidine et elle faisait très bien la cuisine. C'est ça. Mais elles ne sont pas là que pour ça. Et pas seulement cuisinière, cette Placidine. Bon, enfin bref. En tout cas, le père Pascal... Et Carole ne font qu'un, et ils sont associés dans cette consécration aujourd'hui. L'Église n'a pas daigné nous transmettre une bénédiction particulière pour les femmes de prêtres, mais un jour nous le ferons. Un jour nous le ferons. De Dieu. Je vous souhaite à tous les deux les trois vertus que les moines reçoivent quand ils deviennent moines. La patience et la patience. Et beaucoup d'années. Voilà.